Bah écoutez, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette 520e foire Sainte-Catherine. C'est quand même pas rien, 520 années que cette foire dure, perdure et continuera, j'espère, au moins aussi longtemps. Voilà. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les artisans, commerçants qui sont présents, fidèles depuis des années et des années dans cette foire. Remercier aussi les personnes de la commune de Morbach avec qui nous sommes en jumelage, qui sont présents depuis de nombreuses années avec nous. Ici. Voilà. Remercier également Nelly et toute son équipe de Metz Animation qui organise d'année en année cette foire. C'est pas rien, contacter les commerçants, savoir s'ils sont là, pas là, subir les doléances de tout le monde, hein, avec les bons et les mauvais moments, c'est ce que c'est. Remercier mes collègues et vous qui sont là présents, toujours fidèles. Je ne citerai personne pour ne pas l'oublier, mais bon, j'ai vu qu'il y avait Chiron-Pide, il y avait Brunet, il y avait Cour-Dimanche, ce maire de Cour-Dimanche qui est là. L'ancien maire de Milly, l'ancien maire de Metz, Patrick, qui participe aussi à l'organisation de la foire. Et bien évidemment, hein, qui est, bon, il est ici chez lui, c'est moi le maire, mais bon, il est toujours. Ici chez lui, c'est mon ami Franck, notre député. Ouais. Voilà, on peut applaudir. Toujours assisté de son fidèle assistant, je sais où il est, Bernard. Il est encore en boudin, comme d'habitude. Non, voilà, je ne vais pas faire plus long, je voudrais remercier la fanfare. Ouais. Qui recherche du monde. Il y a déjà 2-3 maires qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Voilà. Bon, la fanfare de Metz, que tout le monde nous envie. Hein. Attendez, on rigole, mais ils sont là, ils sont toujours présents. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et je voudrais encore qu'on les applaudisse. Bravo. Excusez-moi, j'ai dit la fanfare de Metz, mais c'est la fanfare, l'écho de la vallée. Ça concerne 5 communes. Non, j'ai dit ça parce que comme c'est nous qui payons le plus, je me suis dit, je vais peut-être dire qu'elle est de Metz. Bon, écoutez, je vous invite à parcourir les stands, à consommer sans modération. Je le dis assez souvent, il y en a marre qu'on nous dise sans modération, mais il y en a marre. On est français, on consomme, on aime ça. Alors profitez-en. Si vous avez des ennuis avec la barre chaussée, ils viendront voir. C'est tout. Voilà. Bienvenue à tous, profitez-en et à bientôt. Merci.
dit qu'on était à côté, oui. Ouais. C'est toujours. Cher. Non mais faut les manger, je sais, mais faut les manger. Parce que même pas au vide comme ça, à Noël, j'attends 2,50€. Ouais. On en prendra déjà. On en prendra. 1,50€. Pas cher. J'ai fait deux premières recettes, j'ai fait une au café et une ancienne. Non, non, et on commence juste, on peut juste vendre des crevettes, on fait tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on doit faire aujourd'hui.